Yo les ultras, on part à Paris voir le match de NBA, les Détroit de Pistons versus Chicago Bulls. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'amène le Cyril. Cyril ! Oui ! Cyril ! Oui ! Ah oh, pardon, tu veux pas de place. Ah pardon, pardon, ah, merci. On va voir Killian Hayes, on va voir les joueurs de la NBA, ça va être sportif. Et c'est en VIP. Et... Ah ouais, en plus ? Ouais. Aujourd'hui, c'est la plus grosse grève depuis 50 ans. On est même pas sûr d'arriver à Paris, les gars. L'avion aller s'est fait annuler il y a 2 jours, et l'avion retour s'est fait annuler ce matin. Donc on a tout remplacé par des billets de SNCF qui se sont aussi fait annuler hier. Et là, ce matin, on en a repris d'autres, et normalement, il y a un train sur 3 qui passe, et ça devrait être le train qu'on a pris, donc on croise les doigts. On croise les doigts. Je viens tout juste de finir mon live, il nous reste 20 minutes pour aller à la voiture. Je vous fais des bisous, on se dit à toutes. On est parti les gars, direction la gare de Montpellier, en espérant que le train soit là. Normalement oui, mais c'est la SNCF, je crois que c'est les personnes en qui j'ai le moins confiance sur cette terre. Salut. Le Cyril qui est installé. Oui. Le Bibou au poste de pilotage. Fond première Bibou, fond première, frein à main. Non, on va éviter. Oh, en fait les ultras, vous avez même pas demandé. Vous êtes plus pour les Detroit Pistons ou les Chicago Bulls? Toi là, comme ça, Bibou, tu dirais qui? Moi je dirais Chicago Bulls. Ça veut dire Chicago Bulls? Ouais, Chicha. Peut-être qu'ils en font des chichas. Hein. Ouais, toi t'as toujours. Ouais, chicha crack, chicha weed, chicha shit. J'ai tout essayé. Tout. Dites en commentaire ce que vous avez essayé. Et toi, Cyril, t'es pour qui? Moi, je suis plutôt Détroit. Détroit? Ouais, pour Kylian. Ah, vas-y, mec. Moi, je suis pour les Bulls. Vas-y. Tu sais que les Bulls, gros, ils sont sur leurs 5 derniers matchs. Victoire. Ouais, ils font des gros, des gros. Bref, on voit ça. La suite dans le train. Les gars. On est bien arrivé dans le train. Regardez-le s'hydrater. L'eau, c'est bon. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je vais vous montrer comment être trop bien dans le train. Thon, mayo, œuf, tomate. C'est le meilleur sandwich. Pour vous, c'est lequel le meilleur sandwich? En vrai, bon appétit. Il y a plus de miel dans ses oreilles que dans la forêt, je vous le dis. Cyril, ici c'est Paris, il est heureux. On a découvert un truc de ouf, on est à 4 minutes à pied de l'Accor Arena. Sac GoPro, ouais. Sac des vêtements, ouais. Et on y va. Mec, je suis trop pressé. Les joueurs des NBA, ils sont juste à côté. J'espère que ça va envoyer des gros dunks et tout, des gros 3 points. Je sais pas du tout comment c'est, si on a des places attitrées ou si ça va être une sorte de loge ou quoi. Honnêtement, découverte, mais en tout cas, trop hype d'y aller. On va au centre gamme. Où on va, Cyril? Je sais pas, on marche. Mais viens. On marche pour se réchauffer. C'est comme ça, gros. Dès qu'on se rapproche de l'accord hôtel, on se reprend. Tu fais la transition, Cyril? Ouais. Regardez les ultras. C'est un style de bar de convivialité. Tu devrais aller faire un tour, regarde. Se parler, team building, rigoler, solidarité. C'est nous, ça. Non. C'était pas un patron comme ça. Tu vois tout ce qu'il y a marqué là? Il manque tout ça. Tu comprends ou pas? Il y a écrit combat de Shifumi sur le mur. C'est vrai. Shifumi. Non, j'ai du délai. Je gagne tout le temps. En se baladant dans le froid. Allez, ce qu'on a trouvé. Super zoom, Didier. Fouah. Nickel, lui là-bas, là. Il faut faire des insectes. Ça va. Les abeilles, tout ça. Les abeilles, non. Les vers de terre. Bah, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'oiseaux. Et il n'y a plus de miel, et il n'y a plus d'insectes, et il n'y a plus de renards. On est parti à Saint-Malo, il n'y avait même pas une mouette. Ça se mange pas une mouette? Non, mais le bruit d'une mouette, c'est sympa. C'est vrai, en bord de mer. Il n'y en avait pas à Saint-Malo, c'est qu'il n'y a plus de mer. Là, il y en a. Des mouettes, mouettes ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a plus de mer ici à Paris qu'à Saint-Malo. c'est logique, Cyril. Ça devient des rats volants au final, les mouettes. Comme les pigeons un peu à Paris. Il y en a pas mal ici dans le quartier. Des pigeons ou des rats volants?
Non, oui, des mouettes. Ah, mouettes, saloperie. On va aller au match. On en a pour 10 petites minutes de marche. On va arriver sûrement pour voir le show et tout. Donc, pour ceux qui ne le verront pas en live à la télé ou quoi, mais il y aura des petites images sur YouTube. Donc, j'espère que vous allez apprécier. À toutes. La queue, elle va jusqu'à l'autre rue, les gars. Il y a une sorte de bordel. On va en train de se diriger à l'entrée VIP. Merci beaucoup. Tu penses qu'on est à côté de Joachim Noah ou quoi? Rien derrière toi, frérot. Mais non, incroyable, Joachim Noah. Elle nous amène à notre place exacte. C'est incroyable, au cas où on se perd. On a les billets, regarde ça, get ça, get ça. Place 12, place 13. Tu veux quelle place mon ref? Pour la 13, faut que tu connais. Marseille. On les voit pas trop loin là en vrai. Là t'es on content? Est bien. T'es content? Ah, ça va être trop cool là. Ça va être incroyable, on est trop proche. Et du coup en fait, les gars, vous avez vu, on est passé avec Joachim Noah, il y avait Tony Parker, Brocky Brox. Grand star, tu vois. Dans la vidéo, tira au sort quelqu'un à qui j'offrirai ça. Ouais, on va le voler. Et quelqu'un gagnera ce produit volé. Il aura passé toute la journée dans le caleçon à Chouachin. Toute la journée. Tout ce soir avec des joueurs incroyables sur le terrain. Oh, it's time to play some NBA basketball! Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts à la vie incroyable. C'est tellement les Américains. Il est déjà trop chaud. C'est l'heure de tuer. C'est l'heure de tuer. Un maximum d'énergie pour les Pistons Dancers. I woke up in peace mode. C'est le moment de faire ça? Non, c'est pas le moment. Ma logique me dit que les Chicago vont les défoncer. C'est triste les gars, mais les Chicago Bulls sont le gros show, gros. Vous allez voir la présentation, c'est... Bonsoir. Joachim Noah. On peut applaudir Joachim Noah. Bose Legend. Chevillot, ça va. Love you, man. Bonsoir. Tony Parker et dit ça, genre c'est le petit français qui fait la relève. Pour vous et merci de venir si nombreux. Truc de ouf. Bonsoir à tous, nous sommes très contents. Nous sommes très heureux d'être ici avec mon équipe et ouais, merci pour votre soutien et j'espère que tout le monde va passer une très bonne soirée.
C'est un petit peu comme si dans un autre monde, toi, tu décidais de faire des kills, tu vois la pression. Ouais. Pareil. Comme si Zidane, il se trouvait un successeur, bon, il allait voir Mbappé, il dit tu le mets, tu vois. Exactement. Les shows à l'américaine, les gars. Si un jour on doit faire un truc dans le futur ou quoi, on fera des trucs comme ça. Il tient faire le tour. Joueur Fortnite. Vite les couleurs, tiens. Agite, agite. Agite. Retour au jeu, début du second quart-temps, 24 pour les Detroit Pistons, 31 pour les Chicago Bulls. Tu veux raconter une histoire? Vas-y, je t'écoute. En fait, en gros, le premier match de basket que je suis allé voir de ma life, c'est grâce à un super pote, un mec avec qui j'ai passé 10 ans à jouer à CS. Ok. T'as déjà joué avec toi en off. Il a déjà joué avec moi en ah, off. Mais... Ah, ok, d'accord. Ouais, okay. Un gars qui sortait avec sa daronne. Et. Quoi? Il y avait un gars qui sortait avec sa daronne. Et c'est ce gars-là là-bas, gros. Mais c'est Jacques Monclar. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais non. Et mais c'est Jacques Monclar, j'avais pas et du coup, grâce à ce mec-là, je suis allé voir mon premier match de basket d'équipe de France. C'est vrai que j'ai plein de maillots avec tous les sportifs et tout, tu vois. Parce que je kiffe ça. Mais c'est ce mec-là qui m'a offert mon premier. Voilà, petite anecdote. Jacques Monclar, c'est fou. Ouais. C'est incroyable. Plus d'un million de followers sur Instagram. Il a un million de followers, mec. One million followers, man. I just want to take this dick, man, in my bum. Oh, blah. Y'a la couleur du PMF, le commerçant n'a pas la mode. On a la couleur de l'Aïka, c'est un peu plus profond. Carré, carré ce qui est en train de se passer, là. C'est parti, la deuxième mi-temps. 56 pour les Detroit Pistons, 65 pour les Chicago Bulls. Chante! Oh! Chante! Chante les paroles! We pump desire! La 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 la! Wouh! On y était! On y était, mon style! On y pue, on y pue! J'ai pute! J'ai pute! J'ai pute! Chicago Bulls 126! Sport total, gros! Bon? Ton poulet en gros il a chié. Ah il a chié gros. 4 points, 4 passes d'aise. Terrible, terrible. 4 points. Franchement, il n'y avait pas de. Ouais. Il n'y avait pas de. Plus de pertes de balles que de points marqués, donc compliqué. Mais les Chicago Bulls ils ont régalé et même le show est incroyable les gars. J'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé un truc de malade. J'espère que vous nous avoir amené avec moi et Cyril. Ça vous aura fait kiffer les gars. Tu veux dire le mot de fin? Abonnez-vous, semez-vous et... Attends, c'est YouTube ça? Quoi? Je suis YouTubeur moi. Eh vas-y, bisous. Ouais, c'est ça bon. Ah ouais. Bisous. Abonnez-vous. Merci Nikoff. Peace.